Ça tourne là? Ouais. Faut regarder dans le truc rond là. Salut vous. Salut tous les Toujours les chéris. mêmes questions bêtes, hein. On est un peu naze parce qu'on vit au rythme de l'eau. Mais ça bouge sur l'eau, il y a beaucoup de monde là derrière. Je sais pas, vous le Ouais. voyez, nous, on le voit là un peu. Oui, Je sais pas si la on le voit. voix. Puis je leur ai fait voir. Bon, ça fait un petit moment qu'on vous a pas parlé parce que, bah, comme on l'a dit, hein, Il avait bon, rien à dire. on prend un peu des vacances aussi, hein. Il avait rien à dire, de toute Non, il n'y avait façon. rien. La vie est un grand fleuve Plutôt un canal tranquille. derrière, hein. En Allez, plus, dis-nous le nom du canal. Mittelland Canal, c'est le canal le plus long qui fait 325 km, et c'est le seul en Allemagne qui fait est-ouest. Voilà. Voilà. Donc nous, on est à l'ouest. Pour ceux qui suivent, On est à bravo. l'ouest, mais des fois je suis à l'ouest. Moi, je suis un peu à l'ouest aujourd'hui. Je crois que Ah c'est... ouais, non mais. On a lâché la ville. Là, on est en pleine Ouais. campagne Oh purée, ça fait du depuis bien. quelques jours. Ça fait du bien. Campagne, moi j'appelle ça de la fausse campagne, mais bon, j'ai un canal, ça quand même Ouais, non, rappelle on est quand que c'est même, pas une on est quand rivière même. naturelle, c'est un truc industriel fait, Ouais, voilà, non, mais mais on est quand même bien. c'est quand même la campagne, hein. Ouais. C'est pas, il n'y a pas de centre-ville, il n'y Et a pas de maison, ouais. il y a, voilà, Le ça va. bruit des péniches, des bateaux de plaisance, ça change, ça fait du bien, c'est Ouais. agréable. Il y a quand même du monde qui passe là. Oui, Il y a ça beaucoup de passe monde. beaucoup, mais c'est super Ah sympa. ouais. Oh, sinon, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Si, je voulais vous parler un peu quand même, parce que l'autre jour, on avait une conversation avec Chrissa sur l'Allemagne. Le début d'expérience, bon, pour Chrissa, de redécouverte, moi, de découverte. Ben, quelque part, c'est une redécouverte, parce que oui, je suis déjà venue en Allemagne, mais j'étais jeune, c'était pas le même contexte. Et depuis que certains abonnés nous suivent, depuis beaucoup de temps, vous nous posez régulièrement des questions. Ça fait un petit moment que vous n'en avez pas posé sur la langue. Quand on était au Portugal, quand on était en Espagne, etc. Oui, mais vous avez de la chance, ou Crystal parle de machin, moi je parle. Et là, comme vous le savez, on n'est pas H24 toutes les deux tout le temps. Non, quand même. Non, Et tant non, mieux. non. Tant Oh, mieux. purée, quelle catastrophe! Oh non, non, surtout pas. Et c'est la première fois de ma vie que je vis le fait de ne pas pouvoir parler du tout avec les gens. L'anglais, finalement, je m'attendais, et l'expérience de Chrissa, enfin bon, Ouais. je m'attendais à ce que les gens parlent un peu plus anglais, les jeunes comme les plus âgés, etc. Et la plupart des gens que je rencontre ne parlent pas du tout anglais. Français, n'en parlons même pas. Alors là, c'est même pas trois mots. Alors, ils sont contents, hein, quand je leur dis Françoise, ils sont contents. Je le vois leur visage. Mais je comprends strictement rien. Alors, ils continuent de me baragouiner des trucs en allemand. Voilà, sûrement très gentils parce que, pareil, il y a le sourire. Sûrement leur expérience avec la France. Sûrement. J'en sais rien. Donc, c'est la première fois de ma vie où je suis vraiment dans un pays étranger, complètement isolé, que je ne comprends pas la langue, je ne peux pas communiquer avec la langue, quelle que soit la langue, Ouais. allemand, anglaise, espagnol, non. Ouais. Et c'est quelque part, c'est vachement marrant. Moi, je trouve ça très amusant. Et donc, en reprenant, en repensant à des abonnés qui nous disaient, oui, mais voilà, vous parlez, toi. Et ben là, non. Je peux dire que non. Je ne Ouais. parle pas du tout la langue. Je suis vraiment l'étrangère perdue. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, exceptionnellement, on a des camping-cars d'autres nationalités qu'allemandes. Ouais. C'est exceptionnel. Ce ne sont que des camping-cars allemands qu'on croise, qu'on voit. On a Ouais. vu quelques Hollandais. Les Hollandais, oui, parce Et ils qu'on n'est parlaient pas même très pas loin. anglais. Le Pays-Bas n'est pas très loin, on n'est Oui. pas très loin de la frontière. Donc les Hollandais viennent ici, hein, voilà. Donc, ils parlaient même pas anglais, donc c'était Ouais. torché, voilà. Et donc, c'est bon, je trouve ça rigolo, voilà. J'arrive quand même à me débrouiller. Enfin, moi, j'ai fait faire des photos sur papier, j'ai fait faire plein de trucs. Enfin, bon, j'arrive quand même à me débrouiller parce que les gens, d'une façon générale, hein, sont sympas. Voilà. Ouais. On essaie de se comprendre parce que je ne sais même pas les chiffres en allemand.
Non, mais on m'annonce un prix, je ne sais même pas de quoi on me parle. Hein. Je ne sais pas. Hein. Voilà, il faut Einstein try, c'est tout ce que je sais. C'est déjà pas mal. Voilà. Franzose. Voilà. Et c'est vraiment marrant, c'est amusant. Encore une fois, c'est une nouvelle expérience et je trouve ça très, très amusant. Ouais. Et même si Krissa est là, etc., c'est pas vrai, Krissa n'est pas tout le temps avec moi, j'insiste vraiment là-dessus. Oui. Et c'est pas Krissa qui va m'aider. Alors, si vraiment j'avais quelque chose d'important, oui, Krissa m'aidera, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Ouais. Mais sinon, je me débrouille toute seule, quoi. Tout le temps. Et j'aime bien. J'aime bien. Toi, par rapport à la langue, ça va, toi? En règle générale, ça va bien, ouais. Là, elle est dans son élément, elle parle, elle baragouine allemand tout le temps. Tout le temps. Tu baragouines parce que je comprends rien, alors. Oui, non, mais en fait, c'est ce qui m'étonne, et là, je suis vraiment étonnée, c'est les gens à qui on parle en règle générale, enfin, la plupart du temps, surtout les camping-caristes allemands, c'est ma génération. Et moi, j'ai appris à parler anglais à l'école. Mmh. Alors maintenant, eux, ils ont appris anglais aussi à l'école. Alors, pourquoi ils ne veulent pas parler? Est-ce qu'ils ne veulent pas parler ou est-ce qu'ils ne savent pas parler? Je n'en sais rien. J'ai eu une semblant d'une réponse d'une dame. Elle m'a dit, oui, moi j'ai appris l'anglais à l'école, mais je n'ai jamais pratiqué, donc je ne parle pas. Voilà. Est-ce que c'est la raison? Je n'en sais rien. C'est ce qui m'étonne surtout, c'est que ce sont les jeunes aussi. Oui, qui ne parlent pas. Hein. Qui ne parlent non, pas. Non. Alors, eux, c'est peut-être pareil. Est-ce qu'ils n'osent pas parce qu'ils croient qu'ils ne parlent pas assez pas. Ou est-ce que... Je ne sais pas. Non, parce qu'on a eu des bons contacts. Hein. Oui. On a des bons contacts avec les autres nomades, etc. Donc, et puis, comme d'habitude, il y a un peu de tout. Hein. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on a un camping-car pourri qui ne nous parle pas. C'est parce qu'on est nomade et qu'on ne se comprend pas. Ouais. Parce que les gens, d'une façon générale... C'est vrai que pour l'instant, on est tombé sur des gens sympas. On arrive quand même à rigoler. Même moi, j'arrive à rigoler avec les gens. Parce qu'avec les gestes, avec trois mots, etc., on arrive quand même à se comprendre. Et puis, il y a une chose, c'est qu'ils sont tous très attirés. Premièrement, parce que je suis française. Ouais. Et deuxièmement, par le katze, c'est-à-dire le chat. Alors, katze, c'est bon, je le sais. Le mot chat en allemand, katze. Katze, ouais. Ils sont tous après le chat. Donc, à chaque fois, ça fait plein de trucs. Et comme en plus, Cassie continue sa chasse effrénée des souris. Oui. Donc, elle se fait remarquer en plus. Bien évidemment, voilà. Parce que chaque fois, elle passe avec une souris dans la gueule. Voilà. Alors, voilà quoi. Non, mais c'est amusant. Après, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau de la vie, d'une façon générale, alors je sais qu'on est tous accros au prix, hein, normal. Ouais. Bon, comme on le savait déjà, effectivement, qu'elle soit les moins chères qu'en France. Oui. Moi, j'ai eu l'agréable surprise hier, toi tu l'avais déjà vu, c'est que le GPL est vraiment pas cher. On a vu jusqu'à 55 centimes, ce que j'ai trouvé très très sympathique. On a payé 59 centimes. 58, on a payé. 58. On a payé 58. Enfin, bon, on ne va pas chipoter à un centime près. Mais sinon, 55, la vie, d'une façon générale, est moins cher, c'est un peu moins cher encore sur certains produits. Attention. Le gasoil, c'est toujours pareil. Ça tourne à 1,18 €. Ça ne se boit pas trop, le gasoil. Je pense à la bouffe. Si, mais Foxy, il boit. Je pense à la bouffe. Ah non, non. Foxy, il boit, lui. Hein, il a soif. Donc, sur la boisson préférée de Foxy, le gasoil, là, ça vaut le coup. Oui. Sur nos boissons à nous, ça, c'est autre chose. Ça vaut le coup aussi. Ça vaut le coup aussi. Alors, je ne vous ai pas filmé. Mais même sans comprendre l'allemand, j'ai compris que les Allemands boivent beaucoup d'eau pétillante. Ouais. Et attendez, parce qu'il y a un cycliste, voilà, tout le monde dit bonjour. Hein, les gens. Oui, je voulais vous faire une petite remarque quand même, parce que les consignes, c'est vachement important. Par exemple, j'achète des bouteilles d'eau pétillante. Alors, il y a plus ou moins pétillant. Les classiques, c'est très pétillant, comme des Perrier. Mmh. Les médiums, c'est un petit peu plus doux. Je dirais comme les Vichy Célestin, tu vois, un petit peu plus doux. Et après, il y a les styles. Alors ça, j'ai toujours pas compris. On dirait que c'est de l'eau pétillante à qui ils ont enlevé tout le gaz. Voilà.
il reste que le goût de l'eau pétillante. C'est l'eau, voilà. C'est l'eau minérale, voilà. Tout simplement. Exactement. Tout classique, sans rien. Alors, du tout, là, par contre, il faut faire attention à un truc, c'est que la bouteille d'un litre et demi à Lidl, hein, coûte 19 centimes. Par contre, à la caisse, tu payes 25 centimes par bouteille. Alors, n'oublie pas de la garder et de la ramener en consigne. Et là, on te donnera la machine, parce que ce sont des machines. La machine te donne un ticket, t'amène à la caisse et tu te fais créditer sur ce que tu viens d'acheter, etc. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est un truc à prendre. Alors là, je parle que des eaux pétillantes. Il n'y a pas mais que ça. Il y a les bières, il y a bouteilles, il y a d'autres bouteilles. Toutes les bouteilles en plastique, oui. En fait. Dès systématiquement, que tu vois écrit, toutes les bouteilles en plastique. Il y a un mot, alors je vais le prononcer à la française, PFAND, P-F-A-N-D, ouais. Avec un logo de recyclage. Ça, c'est consigne, donc tu ramènes. Ouais. Tu ramènes, tu ramènes. Ouais, et c'est marqué sur la bouteille aussi. Hein. Oui, mais en allemand. Non, c'est marqué PFAND sur la bouteille. Oui, mais en allemand. Bah, tu viens de dire le mot allemand, oui, bah, bien voilà. Évidemment, mais c'est normal, on est en Allemagne. Donc, retiens bien PFAND. Donc ça, c'est un truc qui peut grossir la note quand tu passes à la caisse, si jamais tu ne ramènes pas tes consignes après, quoi, c'est tout. Après, au niveau légumes, fruits et légumes, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de consignes sur les fruits et légumes. Pas trop, à moins que tu veuilles ramener les pots de banane, ça peut être sympa, voilà. Sinon, les fruits et légumes, il y a des fruits et légumes qui sont un peu moins chers, mais pas tous. Tout ce qui est chou, autour d'un mur là, et Cassie est montée sur le muret pour être encore plus près au cœur de l'action. Bien évidemment. Et en plus, elle nous raconte sa vie. Bon, au sujet des poubelles, on vous en avait parlé. Finalement, je trouve que ça se passe pas mal. On arrive à en trouver. Ouais. Il n'y a pas trop le tri, comme par exemple ici, bon là c'est un peu un endroit spécial, hein. C'est un endroit vraiment très très spécial, très sauvage. Ouais. Donc là, il y a quand même des poubelles. Il n'y a pas trop le tri, c'est un petit peu compliqué, mais on arrive à s'en sortir. Si, il y a le tri, mais il faut aller chercher les conteneurs de tri. Ouais, il faut vraiment partir à la chasse au tri. Oui, parce qu'en fait, le tri se fait déjà à la maison. Oui. Voilà. Donc, je me souviens, ma mère, elle avait 4 poubelles différentes chez elle. Par contre, un massage, c'est que toutes les 15 jours. Ouais, donc, voilà. Quoi. C'est pas et d'après ce qu'on a compris, ils payent cher quand même, les Allemands, pour les poubelles. Ouais. Hein. Peut-être et sûrement plus cher qu'en France. Je ne sais pas. D'après ce qu'ils disent tous, ça leur coûte un bras. Et les routes sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les routes. Ouais. Je me fais vraiment plaisir. Les limitations, je suis très surprise aussi. Parce que j'ai toujours entendu parler de l'Allemagne sans limite et patati et patata. Bon, alors ça, c'est obsolète. Hein. Ça, c'est terminé. Limitation à 30, à 50 dans les villes, voire à 20 des fois s'il y a quelques obstacles. Par exemple, voie ferrée, etc. Ensuite, sur des routes nationales, ça peut être à 80, ça peut être aussi à 70. Souvent à 70. Ah ouais, hein, ouais. Beaucoup, beaucoup. Bon, 70, moi, ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas. Sinon, c'est 100 km/h sur les nationales. Voilà. Bon. Voilà. Là aussi, ce n'est pas indiqué autrement, c'est 100 km/h. Voilà. Les autoroutes, je ne peux pas en parler. Bon, on le sait que c'est gratuit. Oui. Je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas pris du tout d'autoroute puisque ça ne m'intéresse pas. En tout cas, sachez que c'est gratuit en Allemagne. C'est gratuit. Les autoroutes sont gratuites, oui. Voilà. Dans toute l'Allemagne, les autoroutes sont gratuites. Oui. D'une façon générale, pour le moment, moi, je suis vraiment bien. En tant qu'étrangère, vraiment étrangère, je me sens quand même bien. Je ne me sens pas rejetée par les gens. Non. Quand j'ai des soucis dans les magasins, y a toujours quelqu'un pour m'aider. Un souci, parce qu'il y a des fois, il y a des mots, c'est infernal. Mais vraiment infernal. Comme quoi, Strassenbahn, Donner Dame, Schifffahrtsgesellschaftskapitän. Alors, mon meilleur ami, parce que maintenant j'ai un meilleur ami, alors jusqu'à présent j'utilisais un petit peu, mais là maintenant c'est vraiment mon meilleur ami, c'est Google Traduction. Alors je ne sais pas si tu connais, c'est une application gratuite. Avec l'image. Hein. Mais gratuitement sur ton téléphone, tu peux prendre des photos, tu peux filmer, tu peux parler en français, il te traduit en allemand. Ouais.
Moi, souvent, régulièrement, dans les magasins, je suis en train de prendre une photo du produit, il me le traduit. En général, quand je commence à faire ça, il y a toujours quelqu'un qui vient pour tenter de m'aider, mais comme je ne baragouine rien en allemand, voilà, ça finit en Ouais, rigolade. bah, tu t'en sors, Mais je m'en tu sors t'en très sors bien, très bien, mais c'est pour ça que je me sens très très bien que je reste en Allemagne, hein. bah oui, Non, tu t'en non, je sors ne très bien, il fuis n'y a pas pas de problème. l'Allemagne encore, non. Il faut que je me la coltine encore un bon bout de temps là. Pouh! Non, et toi alors? Et moi, je reviens. C'était combien de millions de Chinois et moi, et moi, et moi? Je redécouvre l'Allemagne, moi aussi. Pour la simple raison, c'est que j'ai quitté l'Allemagne en 90. Et depuis 90 jusqu'en 2017, quand je suis allée en Allemagne, c'était uniquement dans ma famille. Donc, j'avais pratiquement pas contact avec les Allemands, avec l'Allemagne. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, mais ça a changé en positif. Parce que moi, je suis partie de l'Allemagne parce que je me sentais plus bien du tout. J'étais vraiment très, très, très mal. Et maintenant, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. À un moment donné, j'ai même nié le fait d'être allemande parce que j'avais honte, parce que j'aimais pas du Bien tout. sûr. J'aimais pas du tout. Bah, il y a une histoire quand même qui est lourde. Et il y a une histoire derrière qui Bah, est lourde, oui, normal. mais ça c'est bon. Et là maintenant, je redécouvre l'Allemagne et je suis assez contente. Ça me plaît. Ça me plaît. C'est bien Donc, que tu sois ouais. contente de ton pays quand même d'origine, quand Ouais, même. quand même, ouais. Bah si, c'est quand même important, Ouais, si, ça va. c'est bien quand C'est, même, je, je si. découvre, je découvre des choses que je n'ai pas connues à l'époque et ça s'est certainement développé dans les 25-30 dernières années. Oui. Mais comme j'ai rien vu, j'étais que dans ma famille et puis pour faire des courses et tout ça, ben non, c'est pas moi qui est Bah allé. oui. Je suis restée avec eux, j'ai pas bougé, j'ai pas beaucoup bougé avec eux. Donc, ça a changé et ça a Ouais, ça a changé changé, hein. Bah dans un oui. sens très positif. Tant Les mieux, gens tant mieux. sont vraiment beaucoup plus ouverts qu'à l'époque, beaucoup plus cool, beaucoup plus souriants, beaucoup plus agréables à vivre que quand j'ai quitté l'Allemagne. Donc, C'est vrai ça qu'on va. sent une Ouais. ambiance, on sent une ambiance Oui. quand même. Il y a quelque Oui. chose, je sais pas, de sympa. Bon, au gaz, à la station, je sais pas. Je crois que vraiment, je suis vernie. J'ai une chance phénoménale. Depuis que j'ai démarré ma vie de nomade, je peux dire, je n'ai jamais rempli une bouteille de gaz. À chaque Si, fois. une fois, mais j'étais à côté. Oh, ouais, parce que tu surveillais, c'était mon examen de passage de bouteille de gaz, donc fallait bien que je le fasse. Et à chaque fois, mais là c'est Toujours pareil, quelqu'un qui le je suis fait. allée à la station, il y a le monsieur, boum, il m'a même pas demandé. Bon, mais je trouve que c'est sympa, quoi. Alors au début, au Portugal, je pensais que c'est parce qu'ils avaient ce côté un peu macho, etc. Mais finalement, en Allemagne, Non, non, c'est le pas sourire vrai. jusqu'aux oreilles. Ouais, Seulement, c'est pas la même couleur de peau, c'est pas la même couleur de cheveux, Ni ni de de taille. yeux, ni de Parce yeux. que même par rapport à moi, les Allemands sont immenses. Sont grands, ouais. Ils ont plus Bah d'une oui. tête que moi. En plus, on est au nord de Ah ouais, l'Allemagne, non, mais ils sont balèzes, les on se Allemands. rapproche du pays nordique, là, et Alors, ça mesdames, si roule. vous aimez le type bien blanc, blond, yeux bleus, venez Grand. ici. Ah ouais, non, mais là, vous avez de quoi faire, hein. C'est marrant, j'ai jamais aimé les blonds aux yeux bleus, les grands, et finalement je me suis mariée avec un blond aux yeux bleus, un grand. Non, mais sans déconner, c'est vrai qu'on se sent bien, on reste là. Ah, l'équivalent des Chinois, on avait les Chinois au Portugal, etc. Alors Oui. ici, il y a Kik, K-I-K, Ouais. il y a DM. Ouais, mais Kik, c'est pas vraiment un chinois, c'est plutôt un genre de droguerie, Ah, oh ouais, mais bar, ils sont bien. pharmacie. Ils ont Ils sont très bien, super bien, ils moi ont j'ai très bien. trouvé. Oui, ils sont très Ah, bien. ouais. Mais c'est ce qui est l'équivalent de chinois, c'est ce qu'on a trouvé l'autre jour où on a les Postenbörse. Oui, elle redit-le, C'est-à-dire redit-le. Postenbörse. Pour C'est donner. qu'en fait, c'est un. Non, c'est un soldeur. Voilà, C'est un et soldeur. ça, c'est vrai que c'est Voilà. pas mal Et aussi. ça, c'est l'équivalent des Ouais, Chinois. c'est Ouais. bien.
Ouais. C'est bien, bien, parce bien que aussi. DM, ça veut dire droguerie marked, donc c'est droguerie, parapharmacie. Oui, c'est surprenant parce que dans les magasins où il y a un petit peu de tout, des jouets pour gamins, etc., il y a aussi de la parapharmacie voilà. très, très importante. Il y a des rayons de parapharmacie voilà. très, très importants. Parce que... Et, excusez-moi, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de magasins, parce que je sais qu'on me l'avait demandé aussi par rapport au Portugal. Donc, je reprends la question pour l'Allemagne. Il y a beaucoup, beaucoup de magasins, bien sûr, bio, oui. de nature, parce que les Allemands, bon, ils ont plusieurs décennies d'avance sur l'Europe. Mmh. Et il y a des magasins de plantes, des magasins bio, des magasins ci et là, de partout. Ouais. De partout où on va, il y en a. C'est oui. vrai, hein, il y en oui. a partout. Il y en a partout. Ouais. Et pour revenir aux drogueries marques, parce que droguerie, c'est pas l'équivalent d'une droguerie française. Non. Droguerie en Allemagne, à l'origine, c'était vraiment une parapharmacie. Et oui, ouais, alors que voilà. c'est pas pareil. Oui. Donc maintenant, ça se développait un peu dans le sens d'une droguerie française. Ouais, et voilà. Il y a vraiment de tout là. C'est, voilà. Mais à l'origine, c'était vraiment parapharmacie. Mais des produits qui sont sympas. Hein. Oui. Et redis, s'il oui. te plaît. Le nom du magasin où il n'y a que des boissons, s'il te plaît. Ça, c'est un Getränkemarkt. Getränke, c'est boissons et Markt, c'est marché, market, voilà. 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 Alors, non, il n'y a pas que de l'alcool, il y a de l'eau, il y a des jus de fruits, il y a des bières, il y a du vin, il y a des alcools forts. Ouais. Que boissons. Oui, oui. Et attention... Et quelques chips pour l'apéro. Et attention si vous y allez... Faites attention aux consignes. Oui, il y a toujours la consigne. Voilà. Parce que si vous achetez une caisse de bière, les Allemands achètent beaucoup les boissons par caisse, de l'eau, du jus, de la bière, tout ce que vous voulez par caisse. Et il faut rajouter toujours la consigne. Ouais. Toujours. Donc ça à penser hein, ouais. de partout. Ouais. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Bon, allez, on va donc voir. Ça peut doubler, tripler. Ah il y a notre ami avec ses magnifiques chiens qui vient là. Ouais. Mais oui, on se fait des amis voilà. de partout, même et en pleine oui. nature. Et, ben et oui. comme on parle à tout le monde, voilà. Donc, on est en train de faire une vidéo. Voilà comment ça se passe. Comme d'habitude, on parle à tout le monde. Voilà. Voilà, avec le katzeu. Bon, je vais couper parce que j'ai peur pour mon katzeu. Pardon, je fais un gros bisou parce que j'ai peur pour mon katzeu et j'ai peur pour le chien aussi. Salut. Ciao, ciao.